Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 18 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons d'abord sur le quintet plus de la veille qui s'est disputé sur ce même hippodrome de Deauville en cette journée dominicale. Mon ami l'Écossais, le numéro 6, s'impose avec grande autorité. Si Top Prono donne le quartet dans le désordre, Turf Sélection fait bien mieux en donnant quintet plus dans le désordre, un quintet faisant tout de même plus de 729 euros pour 1 euro. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, le podium du jour est composé de Joao 2021X, Ange Cheft et Malexup, les deux premiers cités donnant quinté plus dans le désordre, tandis que le troisième s'octroie la troisième place du podium avec un joli quarté plus. Bravo à tous les trois. Allez, abordons maintenant le tiercé quarté quinté plus du mardi 18 août 2020. Le grand handicap de la Manche, première course de la Réunion 1, sera très disputé. Sur le parcours des 3200 mètres d'une piste qui promet d'être très collante, ils seront 15 éléments âgés de 3 ans et plus à espérer le succès. Espérons maintenant que nos favoris répondent à nos nombreuses attentes. Karlstadt, le numéro 6, est un compétiteur de qualité qui est confirmé à ce niveau de la compétition. Assurément, il doit terminer à l'une des trois premières places et laver son dernier affront, ne reflétant pas sa réelle valeur. Mister Nino, le numéro 1, qui participe pour la première fois à une épreuve handicap, semble en mesure de se sortir de sa lourde charge de 62 kg et terminer dans les trois premiers. Kaiser Pearl, le numéro 9, est une femelle de 4 ans donnant toujours le meilleur d'elle-même. Valdemar X, son entraîneur allemand, étant très confiant avant coup, elle peut théoriquement mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Sa reine dame, le numéro 3, apprécie les pistes profondes et sera très à son affaire sur le sol du jour. La confiance est logiquement de mise dans l'entourage Barbero. Tennessee Song, le numéro 13, avec l'aide de Stéphane Pasquier, peut largement espérer remporter une telle compétition si le parcours lui est favorable. M'Drak à feu, le numéro 12, a des moyens et le voir remporter un quintet plus de ce genre avant la fin de l'année n'aurait finalement rien de surprenant. En cas de non partant, Port de Ville, le numéro 4, qui reste sur une victoire obtenue sur l'hippodrome de Vichy, peut logiquement introduire notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.